D'abord, un profond merci que j'ai à vous adresser. I really need to give to you first a heartfelt thanks. Parce qu'en votre présence, je goûte Dieu. Because in your presence, I am tasting of God. Et toute l'après-midi, je pensais au Cantique des Cantiques. All afternoon, I've been thinking about the Song of Songs. Quand il est dit que les serviteurs portent le nom du Dieu comme une huile qui se répand. When it says that the servants bear the name of God as an oil, a fragrance that spreads. Et il est dit qu'à l'arôme de tes parfums, Seigneur, je cours à ta suite. And it is said that following the fragrance of your perfume, O Lord, I follow in your steps. Et l'épouse du cantique dit comme il est bon et comme on a raison de t'aimer. And the beloved of the Song of Songs says how good it is and how rightful, fitting it is to love you, lover. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, in, chapter 6 of Song of Songs, les filles de Jérusalem, the daughters of, Jerusalem disent à la bien-aimée, say to the beloved, après son épreuve, after her trial, où est ton bien-aimé? Where is your lover? Où s'est tourné ton bien-aimé que nous le cherchions avec toi? Where is your lover gone that we may seek him with you? Je peux dire que, bien sûr, on peut témoigner de la guérison chez les autres. Now I can tell you, it's easy to testify about healing amongst others. On peut raconter ce que Dieu fait pour les autres. We can easily share what God is doing for other people. Mais il est bon aussi de dire ce qu'il fait pour nous. But it's also good to say what he's doing for us. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé sentir Dieu. Since I was very small, I've always enjoyed feeling God. Et j'ai beaucoup souffert quand je le sentais absent. And when I felt him to be absent, it really pained me. Et quand je suis devenu dominicain à 22 ans, when at the age of 22 I became a Dominican priest, ça fait déjà 30 ans, so that's been 30 years now, eh bien, je me disais que je ne pourrais pas prêcher aux gens l'amour, le pardon et la guérison. I said to myself, I'd never be able to preach to people love, forgiveness and healing. Si je ne l'expérimentais pas moi-même, j'avais pas besoin simplement de l'avoir lu ou de l'avoir entendu, mais de l'expérimenter moi-même. Unless I experienced it myself, it wasn't good enough just reading about it. I had to live it myself. Et tout ça pas parce que je ne croyais pas en lui. That's not because I didn't believe in him. Mais que je n'avais ni envie de tromper ni de me tromper. But I didn't want to deceive and be deceived. Et je sais par habitude que on n'est pas heureux de savoir des choses sur l'Évangile. And I know, as for a fact, by experience, we're not content with knowing things about the gospel. Et l'Évangile ne nous dit pas qu'on est heureux de savoir des choses sur Dieu. And the gospel doesn't say that we will be happy if we know things about God. Mais qu'on est heureux de le posséder en soi-même. But we are happy when we own him in us.
Et je voulais en faire l'expérience. And I wanted to live that. Je voulais voir. I wanted to see. Je voulais entendre. I wanted to hear. Je voulais toucher. I wanted to touch. J'ai vu. I saw. J'ai entendu. I heard. Et j'ai touché. And I touched. Et je l'ai vu bien sûr à travers les autres. Of course, I saw God through others also. Je vous en reparlerai peut-être demain à propos de la prison. Pendant 18 ans, j'ai été aumônier de prison. I was a prison chaplain for 18 years. I might tell you about that tomorrow. Mais je l'ai vu chez des gens, j'allais dire, tout simples. Et je vous parlerai ce soir d'une expérience que j'ai faite dans une maison de retraite. Now, I would like to talk to you this evening about an experience I went through in a retirement home. La guérison, c'est pas simplement fait pour les jeunes ou ceux qui vont mourir avant l'heure. Healing is not only for the young or those who die before the time has come. La guérison, c'est pas simplement fait pour ceux qui sont au travail et qui ont une famille. Healing isn't for only for people who have a job and a family. Elle est faite pour tous les âges de la vie et même au troisième âge et même en fin de vie. It's for all stages of life. On peut entrer dans la gloire de Dieu heureux. We can enter into God's glory happy. Heureux de l'aimer. Happy to love him. Et plein d'actions de grâce pour ce qu'il fait encore en nous, même dans les derniers jours. And full of gratitude for what he does for us even in our dying days. Je me rappelle être entré dans cette maison de retraite où il y avait des sœurs âgées qui avaient servi pendant 40, 50 ans, 60 ans. And in this retirement home, there were some elderly nuns who'd served the Lord for 40, 50, 60 years. Et j'étais tout jeune, j'avais 22 ans, je commençais mon ministère. I was 22, I'd just begun my ministry. Et je me rappelle, on m'a dit, va voir cette femme, elle est pas bien, elle est perclue d'arthrite. And I was told, you need to go and see this lady. She's not feeling well at all. She has serious arthritis. Et elle passe sa journée simplement du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. And from every day, what she does, she moves from a bed to her armchair and back. Et dans l'après-midi, il y a une sœur qui vient prier avec elle et qui vient jouer aux cartes après avec elle. In the afternoon, a nun comes to play cards with her and then pray with her. Je suis rentré dans cette chambre. So I went into her room. Et j'ai vu cette sœur perclue des genoux, des bras, des jambes. And I saw this seriously ailing nun who was there. Et je l'ai vue triste. And I saw she was sad. Comme si elle disait, as if she was saying, le Seigneur prend nos meilleures années et quand on est vieux, il nous laisse. As if she was saying, the Lord takes our best years and when we're old, he just forgets elle about le disait us. Pas, mais ça transpirait d'elle. Ça. She wasn't saying that, but it was emanating from her. Et ne sachant plus quoi faire ni prêcher, elle avait suffisamment entendu de prédications dans sa vie. She'd heard enough sermons in her life. Je lui ai simplement dit, si Jésus rentrait maintenant dans la chambre, qu'est-ce qu'il ferait? So I said to her, if Jesus were to enter into your room, what would he do? Elle a dit simplement, il me guérirait. She said, je lui ai dit, lève-toi. He'd heal me, so I said, well, get up. Et elle s'est levée. So she did. Et alors, elle s'est essayée. So she tried. Elle passait du lit au fauteuil. She moved from the bed to elle the a laissé les cannes, du lit au fauteuil sans les cannes. So she did that without her walking sticks. Et avec les genoux, même sans rotule, elle commençait à plier les genoux normalement. Her knees were really bad, but she started to bend them. Et elle a commencé à lever les bras en l'air sans y penser, en disant Alléluia. And without thinking, she started raising her hands, saying Hallelujah. Et elle a commencé à traverser le couloir où il y avait les autres vieilles sœurs. She started crossing the corridor where the other nuns were. Et elle criait, je suis guérie, je suis guérie. Shouting, I'm healed, I'm healed. Je l'ai vue monter et descendre ces escaliers. I saw her going up and down the stairs. J'étais ému. I was moved. Et j'étais comme fortifié dans ma foi. And kind of strengthened in my faith. Et alors je suis rentré dans une autre chambre. So I went into another room. Il y avait une sœur qui était allongée. And I found a nun on a bed. Je me rappelle son nom, Marie Stanislas. She was called Marie Stanislas, I remember. Peut-être 85 ans. She might be 85. Et on faisait tout pour elle. On la lavait, on la changeait. She couldn't do anything for herself. Et elle me disait, pour moi, c'est humiliant tout ça. And she said to me, all this is pretty humiliating for me. Et alors, fort de ce que j'avais vu,
so strong from what I just experienced. Je lui dis, et si Jésus rentrait maintenant dans la chambre, qu'est-ce qu'il ferait? I said, if Jesus were to enter into your room now, what would he do? J'étais prêt à tout voir. I was expecting anything. Elle me regarde et elle me dit, she looked at me and said, il me ferait un gros baiser. He'd give me a big kiss. Alors ça, c'est un miracle très facile à faire. And that's an easy miracle. Voilà. Je l'ai embrassée, so I gave her a kiss de la part de Jésus. On behalf of Jesus. Et elle était vraiment, je vous assure, and I assure dans une you, paix profonde qui vaut bien des guérisons sans connaître Jésus. The peace she experienced, I can tell you, is worth a whole healing. Que veux-tu que je fasse pour toi? What would you like me to do for you? C'est vraiment quand même quelque chose à réfléchir. On peut immédiatement dire que je vois, que j'entende, que je marche, que je guérisse. We could give a quick answer. Many things, may I walk, may I hear, may I speak, etc. Et il peut le faire. And he can do that. Allez plus loin dans votre cœur. But go further in your heart. S'il y avait une chose par-dessus tout que tu aimerais que Jésus te donne ou fasse pour toi, ça serait quoi? If there were one thing that you wanted Jesus to do for you or give you above anything else, what would it be? Et vous allez voir que ça peut beaucoup bouger ce qu'on aimerait. And you, if you do that, you'll see that things can really change what you really want. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il se trouve devant un malade, so when Jesus is before a sick person every time, à moins d'être sot, il voit bien quand même qu'ils sont paralysés, aveugles ou muets. Well, it's obvious that they're either paralyzed or blind or deaf or dumb. Pourquoi chacun il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? So if he knows, why does he ask them, what do you want me to do for you? Pour rejoindre le cœur profond. That's because he wants to touch the inner heart. Le désir de ton cœur. What is the desire of your heart? Et je terminerai par cela, puisqu'il faut aussi parler de soi-même et pas simplement des autres. And I'll end on that because we need to talk about ourselves and not only about others. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, and not too long ago, a few years ago, j'ai eu une hernie discale. I had a slipped disc. Et avec des sciatiques des deux jambes. And with a consequently a sciatica in both legs. Et on avait beaucoup prié pour moi, j'avais beaucoup prié aussi pour moi-même. Many people had prayed a lot for me, I prayed a lot for me as well. Et plusieurs m'ont dit, allez, on vient prier pour toi. Several people had said, we'll come and pray for you. Et rien ne se passait vraiment. Nothing really happened. Mais je ne me décourageais pas de cela. But I wasn't discouraged. Mais il est arrivé un moment où le médecin et le kiné ont téléphoné à des amis en disant, je crois que Rémi n'entendra pas ce que j'ai à dire. And at some point the physio called some friends of mine telling them, I don't think Rémi is ready for what I'm about to tell him. Il veut toujours faire plus et tout le temps, il devrait se reposer. He's always too active, he should rest. Parce que au point où il en est, c'est le fauteuil. Because roulant. In his state he's heading towards a wheelchair. Et je crois qu'il réalise pas bien qu'il va se retrouver un jour en fauteuil roulant. And he doesn't quite get the fact that one day he'll be in a wheelchair. Je réalisais bien puisque je ne montrais pas, mais pour descendre un escalier, je le descendais à l'envers. Well, I didn't show people this, but I did realize because to go down some steps, I'd have to walk backwards. Quand j'allais en ville, je visais les fins de trottoir pour me dire comment je vais descendre ce trottoir. And when I would walk about in time, town, I was always aiming for the end of the pavement so that I could work out how to go down them. Et je me rappelle de cette nuit où j'ai souffert beaucoup plus que d'autres nuits. And I remember a particular night where my suffering was worse than other nights. Puisque debout, je ne pouvais pas rester longtemps, assis, je ne pouvais pas, et allongé non plus, donc j'attendais d'être KO pour dormir. I couldn't stand or sit or lie down, so I was waiting to faint so I could sleep. Et cette nuit-là, allongé sans dormir et en souffrant quand même. So that night I couldn't sleep, but I was suffering. J'ai dit à Jésus, je suis mal barré. So I said to Jesus, I am in dire straits. Si le dernier tronçon de ma vie se passe comme ça, je suis vraiment mal parti. If the rest of my life is going to be this, then this is not a good situation. Et j'ai pensé, j'allais dire, au dernier tronçon de la vie de Jésus. And then I thought about the last part of Jesus's life. Quand il s'est senti lui comme abandonné et qu'il le dit au Père. When he feels forsaken and he tells the Father so.
À ce moment-là, on nous dit que le Père lui répondit par cette voix, quand Jésus dit, Père, glorifie ton Fils. When Jesus says, Father, glorify your Son. Le Père lui répond, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. And the Father answers, I have glorified the Son and I will glorify him again. Ne sachant quoi lui dire et comment prier, he didn't know what to say or how to pray. Je n'ai pu lui dire que en parlant de moi. So speaking about myself, I didn't know what to say. Père, glorifie-moi. So I said, Father, glorify me. Je ne sais pas si c'est orgueilleux, si c'est théologique ou pas. Je lui ai dit, Père, glorifie-moi. I don't know if that's a result of pride. I don't know if it's theologically sound, but I said, Father, glorify me. Et à ce moment-là, and then, il y a eu un coup de tonnerre, un seul, dans le ciel. Like a lightning bolt from heaven. J'en ai été tremblant. I was all shaking. Et je me suis dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? And I said, did that really happen or not? C'est lui ou c'est pas lui? Was it him or not? Et j'étais tout traversé de ce tremblement et de cette crainte. And I was possessed with this trembling and fear. En disant, est-ce que c'est possible que le Père me parle? And I was saying to myself, is it really possible that God is speaking to me? Et je me suis rappelé pendant une demi-heure de ce qui s'était passé quand les Juifs disaient, c'est un coup de tonnerre qu'on vient d'entendre. And I remember for what happened for that half an hour when the Jews were saying, we've just heard a lightning bolt. Alors que c'était la voix du Père. But it was the voice of the Father. Et je respirais à peine et je disais, pourvu qu'il n'y ait pas d'orage, je crois que ça me ferait quelque chose. Pourvu que ce ne soit pas l'orage. And I dared not breathe. I was saying to myself, I really hope there's not a storm out there. I hope there's no storm. Et une demi-heure après, j'ai osé lui dire. So half an hour later, I dared to say to him, Papa, si c'est toi qui m'as parlé, Daddy, if you spoke to me, parle encore une fois. Please speak again. Bang! Et ça a roulé pendant presque une minute. And the peals of thunder went on and on for a minute. Eh bien, il a parlé à mon cœur. J'ai pas compris. So he spoke to my heart. I didn't understand. Avec mon intelligence. With my intelligence. Mais ça m'a fait comme quand j'étais petit chez ma grand-mère. But what happened to me then was what happened to me at my grandmother's. Et que j'entendais mes grands-parents dans la cuisine. When I was a kid and I used to listen to my grandparents. Préparer le petit déjeuner. My grandparents preparing breakfast. Je reconnaissais leur voix, mais je n'entendais pas les sons. I could recognize the voice, I couldn't make out what they were saying. Et je savais que c'était bon et que j'étais à la maison. And I knew that meant it was good, I was at home. Et j'ai compris qu'il me parlait cœur à cœur. And I understood he was speaking to me heart to heart. Il n'est pas heureux de savoir des choses sur lui. So to know, to have knowledge of God is not, doesn't make us happy. Parce que je vous dirais que le diable, il en sait plus que nous sur Dieu. Because let me tell you, the devil. Et il n'est pas sauvé. The devil knows more about God than you and I do. Il est heureux de savoir que nous lui appartenons. Now you're happy if you know you belong to him. Et qu'il nous aime au point de non seulement nous guérir parce que j'ai été guéri ce jour-là. He loves us not only to the extent that he has healed us as I was healed that day. Parce que vous voyez, j'ai même oublié de vous dire que j'avais été guéri. Because I even forgot to tell you I was healed. Mais ce qui m'a impressionné le plus, but what struck me the most, c'est cet amour, cette proximité et la voix de mon Père dans mon cœur. It was his love, his intimacy, and the voice of my Father in my heart. Je serais dans un fauteuil roulant aujourd'hui. Were it not for that, I'd be in a wheelchair today. Que cette expérience-là, je l'oublierai pas. And that's why I won't forget that experience. Et il est capable de faire au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que vous pouvez demander et même concevoir. And he is able to do infinitely more than anything you can ask for or conceive of. Amen. Amen.